Wow, et après cette belle chronique, on passe à quelque chose de moins culturel, mais tout aussi intéressant quand même. N'est-ce pas, Christine? Bonjour, Christine. Oui, bonjour. On va passer à la rubrique qu'on a appelée l'éco-logique. Bon, c'est surtout notre économie qui doit être logique et écologique si possible. En tout cas, ce soir, c'est Haroun qui va nous parler d'un sujet important, les impôts et surtout la fraude et l'évasion fiscale. Ben oui, on manque d'argent, on avait vu la dernière fois que depuis la crise de 2008, chaque personne en Europe perdait environ 3 000 euros par an. Oui, par an. Et ben, cet argent, où est-ce qu'il disparaît concrètement? Pourquoi il manque? Eh bien, Haroun va nous expliquer tout ça. Alors, Haroun, tu es toi aussi à Munich? Tout à fait. Et tu es dans... Oui, bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Tu es spécialiste d'un domaine qui est en général assez revêche, l'analyse des statistiques. Et tu tiens un blog sur Mediapart qui est assez apprécié. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce dont tu vas nous parler? Bien sûr. Alors, je m'appelle Haroun Sabah, j'ai 38 ans, je vis à Munich depuis 3-4 ans. Et en fait, j'ai décidé effectivement sur mon temps libre, de faire ce blog parce que j'en avais un peu marre en fait des débats stériles sur les chiffres. Donc, je me suis dit, on va prendre les chiffres disons, nos adversaires politiques et puis on va montrer que même avec leurs chiffres, en fait, c'est quand même nous qui avons raison quand on dit que, par exemple, on vit pas au-dessus de nos moyens ou ce genre de choses. Ce que je vais essayer de vous montrer dans quelques secondes. Et donc, c'est un petit peu le fil conducteur, disons, de mon blog, c'est de toujours prendre les chiffres les moins discutables possibles. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à la CGT ou à TAT, c'est juste que je prends les chiffres plutôt de l'OCDE, de l'INSEE ou autre, pour qu'on ne puisse pas nous dire ah oui, mais vous avez 3,2% et eux, ils ont 2,8%, c'est pas pareil. Et ce genre de débat absolument stérile, je les évite autant que possible. Super, oui. Donc, tu pratiques une sorte de judo de l'économie, quoi. C'est ça, une sorte de Bourdieu de l'économie, toute proportion gardée, évidemment. D'accord. Donc, la fraude et l'évasion fiscale, tu vas nous définir, nous expliquer, parler des tenants et des aboutissants et tout. On attend une explication complète. Et puis, bon, je te rejoindrai pour la dernière partie pour discuter de la faisabilité pratique de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer, les difficultés qui peuvent se présenter, ce qu'on voudrait éviter. Voilà, donc je te laisse et Eh ben, c'est parti. j'essaie de bien suivre. Donc, avant toute chose, on va faire quelques petits rappels sur la dette parce que c'est un petit peu l'excuse qu'on nous sort pour dire qu'on ne peut pas faire ceci ou pas faire cela. Donc, un petit rappel, la dette, en fait, c'est notre déficit multiplié par le temps. C'est-à-dire, c'est le déficit cumulé à travers le temps. Je vous ai mis ici le déficit de la France sur ces 10 dernières années pré-Covid, parce que bon, le Covid, c'est un peu particulier. On pourrait y revenir, mais c'est un peu un autre sujet. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que en fait, la dette, c'est quand même principalement du rouge. Et le rouge, c'est les intérêts de la dette. Ça veut bien dire que, en fait, c'est la dette passée qui nous pèse plus que notre train de vie réel. Du coup, moi, je me suis posé la question. Je me suis posé la question, partant de là, si jamais la dette, c'est donc 57, sur les 10 dernières années, c'est donc 57% d'intérêt d'elle-même et seulement 43% de dette propre, qu'est-ce qui fait qu'on a de la dette propre à la base? Parce que si on n'avait pas la bleue, on n'aurait mécaniquement pas la rouge, puisqu'on n'aurait pas les intérêts d'une dette qui n'existe pas. Et du coup, je me suis dit, OK. On va regarder un petit peu ce que disent les gens de droite ou les gouvernements successifs. Alors, ce qu'on a, c'est que, rappelez-vous bien, hein, je reviens un instant là-dessus, mais rappelez-vous bien, 49 milliards, disons 50. On a
Si on se limite à trois petites choses de rien du tout, on a la fraude à la TVA, ce qui, selon la Commission européenne, pour la France, c'est 21 milliards. Et la fraude à la TVA, c'est pas les particuliers qui la font, hein, c'est les entreprises, parce que seules elles peuvent esquiver la TVA, puisque elles facturent ou pas avec, et elles la transfèrent ou pas d'un pays à l'autre. La fraude sociale, et je mets bien entre parenthèses travail au noir, là c'est selon la Cour des comptes française, c'est 12 milliards. Pour être précis, en fait, la fraude sociale sur la Cour des comptes, c'est 15 milliards, mais dedans, ils mettent 2 à 3 milliards de fraude aux allocations, donc je les retire, et je mets même la bande supérieure, donc je retire 3, je garde 12, et c'est donc le travail au noir. Ça veut bien dire, donc, c'est quelque chose qui va gréver les comptes de la sécurité sociale, les comptes de l'assurance chômage, tous les comptes qui font qu'en fait, on est content d'avoir une sécurité sociale à la française, sont attaqués par cette fraude. Là, c'est 12 milliards. Et alors, j'ai mis « optimisation » entre guillemets parce que c'est très, très, très discutable comme mot. L'optimisation de l'impôt sur les sociétés, du seul CAC 40, ce n'est pas toutes les entreprises qui viennent après, ce n'est pas la 41e, ce n'est pas la 100e, c'est juste le top, le top du panier. Selon les Échos, là encore, je ne vois pas très bien qui à droite oserait critiquer les Échos, c'est 17 milliards. Et avec ces trois-là, par an hein, toujours, hein, et avec ces trois-là, on fait 50 milliards. Donc, si je résume, avec ces trois petites fraudes, et seulement ces trois-là, on a donc deux fraudes et une optimisation, et on est au-dessus de la dette hors intérêt d'elle-même. Donc, dit autrement, si on avait lutté correctement contre ces deux fraudes et cette seule optimisation, on n'aurait pas de dette en France. Du tout. Zéro. Par extension, pas d'intérêt de la dette. Donc, l'idée qu'on vit au-dessus de nos moyens est quand même assez... discutable, on va dire. Et j'ai envie d'ajouter autre chose. Là-dedans, il n'y a pas les comptes en Suisse, pas les comptes Bahamas ou ailleurs, il n'y a pas toutes les autres sortes de fraudes possibles, imaginables, et il n'y a pas les fraudes ou les arrangements fiscaux concernant les héritages, il n'y a pas les sous-évaluations d'ISF. Il y a juste deux fraudes et une optimisation, et on a déjà réglé le problème de la dette. C'est suffisamment violent, je trouve, comme chiffre, de se dire qu'en fait, il suffirait juste de taper sur deux trucs et demi pour pas avoir de dette, pour que ça soit un argument frappant. Et je maintiens aussi, hein, les sources, c'est donc Commission européenne, les Échos, Cour des comptes. C'est pas vraiment quelque chose qu'à droite, on ose contredire. Partons de là, je me suis dit, OK, imaginons, qu'est-ce que ça représente, parce que là, on regardait une année, qu'est-ce que ça représente dans le temps. Et donc, on va faire une projection. Enfin, une projection, on va tout minorer. On va dire, non, mais vraiment, ils n'ont pas fraudé les gens avant 1975. C'est ridicule. Évidemment, il y avait de la fraude avant, mais on va dire que c'était quand même ça. Que le taux d'intérêt de la dette, c'était 1%. Et croyez-moi, le taux d'intérêt de la dette dans les années 80, c'était plus proche de 7, 8 ou 12. Hein. Mais on va dire que c'est 1%. Ce qui, là encore, minore l'impact. Et puis après, on va faire trois hypothèses. Soit la fraude... Elle évolue, elle diminue, c'est-à-dire que les gouvernements font vraiment ce qu'ils disent, à savoir ils luttent contre la fraude, donc elle partait de haut et elle va descendre. Ça sera la courbe verte dans la prochaine slide. Soit c'est l'inverse, et c'est pas du tout ce qu'ils disent, hein. Ça serait que la fraude, elle partait de très très bas et elle monte parce qu'ils font rien, voire qu'ils empirent la situation. Et on va garder, excusez-moi, une courbe neutre où la fraude est constante, à 2,55% du PIB, ce qui est les 50 milliards qu'on venait d'évoquer. Et avec ces trois courbes, on obtient ceci. Donc, si elle partait de haut, quand bien même ils luttent, la courbe verte, celle que nos gouvernements disent être la réelle, c'est-à-dire celle où ils se battent contre la fraude et il y en a de moins en moins, eh ben, ça fait quand même 2500 milliards de dettes à 2019, soit 600 milliards de plus que la vraie dette en 2019. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, il n'y avait pas de dette, même en minorant tout, il n'y aurait pas eu de dette si les gens avaient juste payé leurs impôts. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que l'argument « on vit au-dessus de nos moyens », non, 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 non. Il y a des gens qui vivent au-dessus de nos moyens. Ce n'est pas nous tous, c'est des gens qui font qu'il y a de la dette, parce que si on avait payé nos impôts, comme on vient de le voir, il n'y aurait pas de dette. Donc, j'ai presque envie de dire que même un programme de gauche qui consisterait à monter les impôts des riches, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, je ne suis pas contre, loin de là,
mais ce n'est peut-être même pas nécessaire, il suffirait juste de déjà les collecter tout court. Ce qui serait un petit peu le sujet de l'impôt universel dont on va parler juste après, mais qu'on se mette bien d'accord. La prochaine fois que vous entendez on vit au-dessus de nos moyens, vous dites non, 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 il y a des gens qui vivent au-dessus de nos moyens, mais pas tout le monde. merci pour le lien, effectivement. Ce qui nous amène à l'idée de l'impôt universel. Alors, il y a deux idées déjà à prendre en compte. La première, c'est l'impact. La deuxième, c'est la faisabilité. Sur l'impact, comme je viens de vous le montrer, on n'aurait plus de déficit, on aurait même un excédent primaire assez conséquent. Et j'ai fait quelques estimations, et selon disons différents paramètres, que sont les taux d'intérêt qui bougent beaucoup en ce moment et la taille de l'excédent, il faudrait 20 à 30 ans sans rien toucher à l'assiette fiscale pour ne plus avoir de dette. C'est-à-dire qu'on pourrait corriger 40 ans de dérive en 30 ans si les gens arrêtaient de faire n'importe quoi, arrêtaient de frauder. Et ça, déjà, c'est assez puissant. Et surtout, ce n'est pas vraiment le discours ambiant. Et on nous dit, on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, parce qu'on veut, désolé de citer, les très anciens reconnaîtront, on ne veut pas aller chercher l'argent là où il est. Pourtant, il existe. Le deuxième point, ça sera la faisabilité. Alors, je vais laisser un peu la parole à Christine, bien sûr, mais je voudrais juste dire que dans les traités tels qu'ils sont, ce n'est pas possible. Le contrôle des capitaux est quelque chose qui nous a été retiré par les traités. C'est un fait, c'est regrettable, je pense, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas complètement impossible dès lors qu'on se met en mode américaine. Et alors, pour ce qu'ont fait les Américains, je vais essayer d'expliquer en deux, trois traits. Ils ont fait un impôt à la nationalité qui consiste à dire que, disons que vous êtes dans un pays quelconque, vous payez 30% d'impôt, mais qu'avec vos revenus, vous devriez payer 35% si vous étiez aux États-Unis. Eh bien, ils vont juste récupérer les 5. Ils ne vont pas vous imposer à 30 plus 35, ça serait complètement aberrant. Ils vont récupérer la différence. Ce qui fait que dans notre cas à nous, de Français vivant à l'étranger, pour des gens qui vivent comme moi en Allemagne, la différence, elle est minime. Je ne sais même pas si je devrais payer ne serait-ce qu'un centime, ou peut-être 50 euros par an, je ne sais pas. Mais en fait, là où ça devient intéressant, c'est pour les pays de type paradis fiscal, où là, vraiment, il y a une pertinence beaucoup plus importante parce que les impôts n'ont rien à voir entre Singapour et la France. Et donc, c'est effectivement là-dessus qu'il faudrait, dans un premier temps, dans tous les cas, axer nos efforts. J'ai noté aussi, peut-être certains ont suivi, l'affaire UBS. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont pris avec modérément d'enthousiasme le fait que UBS aide des ressortissants américains à ne pas payer leurs impôts. Du coup, ils l'ont dit, c'est très facile, hein, soit vous nous donnez les noms, soit on vous empêche de travailler chez nous, sur notre territoire. Ça n'a pas traîné. Hein, et en fait, en l'espace de 6 mois, les ressortissants américains qui avaient des comptes sur toutes les banques suisses, pas spécifiquement UBS, mais notamment UBS, sur toutes les banques suisses, eh ben, ils n'ont plus aucun intérêt parce que l'IRS a toutes les informations, ils savent qui, combien, depuis quand, et ils peuvent régulariser les impôts de ces personnes qui avaient trouvé malin d'aller se cacher à droite à gauche. Évidemment, ils l'ont fait pour la Suisse, vous pensez bien qu'ils l'ont fait pour tout un ensemble de micro-États dans les îles des Caraïbes, et ailleurs pour faire en sorte que les gens ne passent pas tout simplement de la Suisse à Hong Kong ou de Hong Kong à la Micronésie, ça a été fait de façon complètement internationale. Alors, là-dessus, je pense que le poids de l'Europe serait plus pertinent que le seul poids de la France pour le faire, mais on pourrait déjà essayer et je rappellerai pour les plus anciens, ils se rappelleront eux-mêmes que le général de Gaulle avait fait ça avec Monaco en faisant un petit blocage d'une petite semaine pour juste changer la constitution monégasque, qui fait que on n'a pas intérêt à aller se cacher là-bas puisque ça ne s'applique pas aux Français. Comme quoi, il y a aussi des bonnes idées qui viennent de gens de droite. Christine, tu veux revenir? Oui, volontiers. Donc en fait, t'es encore en mute. Là, c'est tu bon. M'entends pas? C'est bon? D'accord. Là, c'est bon. excuse-moi. Oui, donc le problème qui se pose pour nous, Français à l'étranger,
Bon, bah, selon la partie du monde, c'est complètement différent. Il y a des pays extrêmement pauvres, des pays extrêmement riches, des pays qui sont des vrais paradis fiscaux, des pays où on gagne énormément d'argent, mais on doit absolument tout payer soi-même et c'est vraiment pas bon marché. Donc, on est face à des situations extrêmement diverses et on n'a pas la puissance de frappe des États-Unis. Et puis, si on attend que l'Union européenne trouve la volonté de mettre un tel système en place, je crois qu'on peut attendre un bon moment. Et donc, la France insoumise est partie du principe que ce n'est pas normal qu'il y ait des fraudes et de l'évasion fiscale, mais qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesures pratiques proposées? Donc, on a essayé de se concentrer sur l'essentiel et d'essayer de cibler la grosse fraude fiscale. Le but, ce n'est pas d'aller demander à chacun. On a par exemple la situation bon, l'essentiel des Français de l'étranger déjà ne sont pas des fraudeurs fiscaux. Hein. Ils vont étudier, travailler à l'étranger, ils accompagnent un conjoint, la vie se décide comme ça. Mais une fois qu'ils sont sur place, ils peuvent rester ou revenir. Bon. Utiliser les services du consulat ou ne jamais en avoir besoin. S'ils ont des enfants à l'étranger, ces enfants vont être binationaux, vont peut-être jamais mettre le pied en France. Ça peut poser un problème de dire, bon, bah, on va leur demander de faire une déclaration simplement parce qu'ils ont la nationalité française. Faire une double déclaration, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas bien la langue française, les formulaires, les catégories. Bon, ça pose plein de problèmes. Donc, pour se concentrer sur la lutte contre la fraude fiscale, la France insoumise, en tout cas, propose déjà de cibler les pays qui ont vraiment une fiscalité trop basse par rapport à la France, les paradis fiscaux. Donc déjà, si on est dans un pays qui a un taux d'imposition assez similaire, eh bien, enfin, en tout cas comparable au taux en France, eh ben, il n'y a pas besoin de faire ce contrôle. Déjà, on s'épargne ça. Il s'agit bien sûr seulement d'imposer les revenus en France. On ne va pas s'amuser à aller taxer les revenus qu'on gagne à l'étranger. La France n'a bien sûr d'autorité que sur les revenus venant de France. Et puis, dernier filtre, on va se concentrer sur les très hauts revenus. Bon, il y aura peut-être un petit peu d'évasion fiscale qu'on va rater à cause de ça, mais l'essentiel, c'est de faire obstacle à la plus grosse évasion fiscale. Et en tenant compte donc justement de ce que je disais, si on a un très haut salaire, un très, très haut revenu, mais que les dépenses contraintes sont aussi très hautes, il doit en être tenu compte. Donc en fait, c'est une situation pas simple du tout. Et donc, ce serait déjà un premier pas, une façon de commencer la lutte contre la fraude fiscale déjà, ça permettrait de rapatrier une bonne partie de ce qui disparaît et de soulager les finances publiques qui sont exsangues par toutes les mesures qui ont été prises et tout. Et c'est vrai que ça fait rêver ce que tu nous as explosé sur l'argument de se débarrasser de la dette et donc de l'argument contre la dette. C'est vraiment quelque chose qui pourrait changer vraiment la vie quotidienne de tout le monde. On se dit, bon, l'évasion fiscale, oui, c'est pas mon truc, ça ne me concerne pas. En fait, ça nous concernerait dans la vie quotidienne. Donc, voilà où on en est des réflexions de la France insoumise. C'est assez compliqué à ajuster exactement et précisément. Mais voilà la direction qu'on aimerait prendre pour au moins récupérer le plus gros de ce qui échappe à l'impôt.
Si je peux me permettre d'ajouter deux chiffres à ce propos, concernant les paradis fiscaux, moi je m'étais amusé juste comme ça à calculer c'était quoi la population de tous les pays qui sont considérés par les ONG comme des paradis fiscaux. Et si on retire l'Angleterre, c'est même pas 70 millions. C'est-à-dire que c'est même pas 1% de la population mondiale qui représente tous les paradis fiscaux du monde. En comptant même des pays plutôt moyens gros, je pense à la Hongrie de Orban ou à Singapour, qui sont relativement peuplés pour des paradis fiscaux. Et bah, mis bout à bout, ça fait 1%. Et comme souvent, c'est souvent les 1%, y a toujours un petit 1% qui dérange les 99% que nous sommes. C'est assez redondant. Et oui, effectivement, pour revenir sur le poids de la dette sur chacun d'entre nous, de mémoire, c'était l'équivalent de 170 euros par Français par mois. Par Français, pardon, par Français actif, donc en âge de travailler, et par mois. Donc, quand même, vous dire qu'il y a des gens qui, en ne payant pas leurs impôts, vous font les poches de 170 euros par mois, ça peut motiver à se dire qu'il faut travailler contre ça, un petit peu. Oui, tout à fait, tout à fait. D'autant plus que c'est pas retiré du compte en banque, c'est retiré dans la De façon qualité de vie, détournée, voilà, oui, dans la baisse aux dans les services transports, les publics, hôpitaux, la police, la justice, la les écoles, précarité aussi, tout, 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 tout. la baisse des droits, tout ça, c'est la façon de nous vider les poches. Eh bien, merci pour cette séquence écologique. Merci, merci. Et que j'ai trouvé très éclairante. Et donc là, je crois que Mathias